Bonjour les amis. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait de faire quelques boutures de figuier? Voilà. Alors une amie, une collègue de travail, on va dire, qui m'a gentiment donné de superbes branches de figuier. Alors est-ce que c'est la rouge de Bordeaux? Eh ben j'en sais pas plus. Elle m'a signalé que c'était un des meilleurs, un très bon figuier. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'il est violacé, un peu rougeâtre. Donc, ça me paraît être un très bon figuier d'après son père. Voilà. En tout cas, un grand merci à elle. C'est super sympa, c'est super gentil. Voilà. Alors, on va se faire un plaisir. Alors, est-ce que ça vous dit, les amis, on va se faire un plaisir de bouturer ces figuiers. Voilà. Alors ici, c'est repos végétatif. Ici, on attaque début décembre. Regardez les fusains, comment ils sont magnifiques et ça fait plaisir à voir. Voilà, bah, j'espère que vous, tout va bien dans votre jardin. Ici, bah, ici, tout va bien. Là, on nettoie, on récupère les feuilles, on étale le compost dans le futur jardin. Et vous voyez que l'étang a bien, bien remonté, hein. Allez, on va attaquer ça. Voilà, gentiment ensemble, et on va se manger des bonnes figues d'ici quelques années quand même, hein. Allons, et le figuier se bouture très facilement. Alors les amis, vous savez, je vais vous dire, j'ai un super pote là, Nicolas de 800, qui fait énormément de boutures, et lui, il les fait à l'étouffée, c'est-à-dire en bouteille. Eh bien, j'ai gardé une branche pour faire à l'étouffée, peut-être ce week-end. Je vous ferai voir un peu. Alors, en quoi ça consiste? Alors, regardez, ce sont de belles branches. Ce sont bien sûr les extrémités de ce fameux figuier, là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper, vous voyez, en dessous d'un œil, là tout simplement, vous avez l'œil, vous avez là la petite excroissance, là tout simplement, on va couper juste en dessous. Allez, on va enlever 3-4 cm, là tout simplement. Voilà, comme ceci, puis on va pouvoir faire un petit sillon. On va laisser. Alors, il y en a qui laissent 3-4 yeux, bon, ça, 1, 2, 3, 4. Allez, on va couper ici. Tout simplement, ici on laisse plusieurs départs. Attention, ça va tomber. Alors ici, on va en refaire une deuxième. Alors, hop, vous voyez, ici, comme ça on va pouvoir. En réalité, vous savez, ça va le faire facilement, hein. Une, deux, allez, on va en faire une troisième. Alors, une troisième. Regardez cette belle branche ici. On a un œil qui est bien placé là. On va éviter là parce que ça a été coupé là depuis 2 jours. Donc là, on va plutôt prendre plus bas. Voilà. Et ici, je vais laisser quelques yeux. Tout simplement. Pardon. Alors, ensuite, les amis. Allez, on va la recouper ici. Tout simplement. Elle est un peu plus grande quand même. Voilà. Voilà. Alors, simplement. Le petit canifle qui va bien, le petit canifle qui va bien, vous allez faire un beau petit sillon comme ceci, un beau petit sillon de l'autre côté sur environ 5 cm. Voilà. Alors, on va faire ça avec toutes nos branches. Voilà. On va essayer de le prendre du premier coup. Voilà. Voilà. Je vous fais voir. Allez, un petit peu plus bas. Voilà. Et ici, tout simplement. Voilà, juste ici. Voilà. Regardez. Voilà, il faut que ça soit bien net. Alors, les racines vont démarrer sur les côtés. Voilà, bah là déjà. Alors, j'ai prévu. Alors, vous voyez, je mets toutes les chances de mon côté, simplement en mettant un bon terreau horticole. Un bon terreau horticole mélangé avec moitié terre de jardin. Voilà que j'ai mouillé plus ou moins, hein. Voilà. Le mélange, voilà, est déjà à moitié fait. Les amis. Alors j'ai déjà travaillé bien, bien notre terre. Cette terre est déjà bien travaillée.
voyez, elle est bien pâteuse et gluante là, hein. C'est bien de la terre, bien de chez nous là, la terre à pommes de terre, hein. Voilà, ici on est dans les Hauts-de-France là, près de Béthune, voilà, donc on va bien remplir notre petite jardinière. Voilà, on va éviter qu'il y ait trop d'oxygène emprisonné, parce que ça c'est pas bon pour les boutures. C'est un peu que comme vous plantez vos arbres fruitiers, faut bien tasser votre terre, éviter qu'il y ait des emplacements d'air. Voilà, tout simplement. Allez, on va commencer à y implanter nos boutures, tout simplement. Hop, directement. Voilà, comme ceci, comme cela, voilà, voilà. Et puis mon ami Nicolas de 800 là sur la côte d'Opale lui fait à l'étouffée, donc ce week-end on en fera une ou deux, peut-être deux, de boutures de figues à l'étouffée, hein. Voilà les amis, alors on va les placer ça, voilà. Bien implanté, tout simplement, et on va laisser ça à l'extérieur. Je vais mettre ça côté nord, tranquillement. On pourra peut-être y mettre un petit voile de protection par-dessus. Vous pouvez même les mettre, si vous avez une véranda qui n'est pas chauffée, ben c'est bien, 10-12 degrés, c'est pas mal. Voilà, et on va les placer ça, les amis, ensemble. On va déplacer ça par là-bas, comme ceci, à côté des kiwis. Voilà, voilà, comme ceci, vous voyez, juste à côté des kiwis. Alors je vais rabattre ma terre, et là, l'avantage de ce système là, c'est que grâce à ceci, je vais pouvoir mettre un petit voile de protection. Là, pour qu'il y ait... Bon, ici, on n'a pas des gelées très, très fortes, hein. Mais voilà, on va faire nos boutures tranquillement, en pleine terre. Regardez, les kiwis sont là. Hein, les kiwis, nos boutures, c'est une ancienne vidéo d'il y a quelques jours. Vous pouvez la retrouver. Voilà, ils sont bien bas. On va laisser ça tranquillement. Il y a même un petit peu de persil qui pousse à côté. Et là, regardez, ça, c'est notre marcotage de muscat de Hambourg, c'est-à-dire la branche est juste en dessous et remonte. Et on devrait avoir des racines à l'intérieur. Bon, les amis, eh bien, écoutez, je vous remercie. Là, c'est facile, hein. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Hein, figuier, j'en ai pas. Je remercie cette dame. Voilà, on y mettra un petit voile de protection. Que j'accrocherai au barreau là, ça passera tout l'hiver, et puis on verra au mois de mai si nous avons de la réussite. Je vous remercie bien et je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses, de bonheur, de joie dans votre jardin. Allez, bye bye à tous, bye bye les amis.